Père de grâce. Dieu d'amour et de bonté. Dieu de sainteté. Nous tenons dans ta présence ce matin. Et nous invoquons le saint nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Que toi-même tu nous fasses grâce ce matin. Que le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit de grâce, nous parle, nous éclaire, nous convainc, afin que nous élevons le nom de Jésus, que nous exaltons ce nom-là, ce glorieux nom, et que toute la gloire revienne à toi seul, Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous sommes dans le mois de plus que vainqueur par le nom de Jésus. Ce mois-là, c'est la victoire plus que vainqueur. Dans quel domaine de ma vie, dans chaque domaine de ma vie, Dieu nous a fait grâce depuis des années, il nous parle. Il nous enseigne. Il nous conduit. Et Dieu nous aime d'un amour parfait. Alors, Dieu nous pose la question en retour. Est-ce que nous l'aimons réellement comme lui l'a décidé de nous aimer? À cet égard, en donnant ce mois donc de septembre avec le nom de Jésus, il a voulu nous conduire à entrer en nous-mêmes et à voir réellement l'importance de ce nom. Pourquoi les démons craignent ce nom? Parce que, non pas parce qu'il est puissant seulement, parce que ce nom est un nom saint. Et comme ce nom est un nom saint, et que les démons sont impurs, chaque fois que ce nom est invoqué dans leur présence, cela montre leur donc impureté, et automatiquement ils s'éloignent. Et ce matin, je voudrais tout tranquillement qu'on aille pas à pas. C'est un moment important pour nous dans ce mois. Donc, sur le nom de Jésus, regardez attentivement ce matin notre titre, la sainteté élève le nom du Seigneur et le péché l'abaisse. La sainteté élève le nom du Seigneur, mais le péché la baisse. Cela veut dire aussi que puisque la sainteté élève le nom de Jésus, cela veut dire en retour que si je lis la sainteté et le nom de Jésus, moi-même je serai élevé. Quand j'associe le péché avec le nom de Christ Jésus, je suis abaissé. Et regardons dans 2 Timothée 2:19. Et technicien, après cela, on va aller dans Hébreux 2, on va voir. Donc, 2 Timothée
2:19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le fondement de Dieu est lié à des sceaux. Mais ce n'est pas fini. Il dit, les paroles, ces paroles-là qui lui servent de sceau, c'est quoi? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il ne s'agit pas de dire que moi j'appartiens au Seigneur. Non. On dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et il va te dire ceux qu'il connaît là, il va te dire le, qui il connaît. Regarde bien ici. Quiconque pense que Dieu le connaît, quiconque pense que Dieu l'aime, qu'il soit pasteur, apôtre ou autre, quiconque se flatte et dit Dieu me connaît, et il dit que c'est quiconque là qui prononce le nom du Seigneur dans ses prières, dans ses paroles, et qui ne s'éloigne pas de l'iniquité, il ne lui appartient pas. Écoutez, mon frère, il ne faut pas vous tromper. Dieu est en train de faire quelque chose de terrible, terrible dans le monde actuellement. Moi-même, j'ai peur. Okay. Écoute dans Hébreu. Hébreu quoi? Regardons. Frères et sœurs. Dans Hébreu, là-bas, il est Hébreu 1. Hébreu chapitre 1. On parle de Jésus, le Fils. Voilà comment on le caractérise ici. Hébreu 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Mettons les deux versets ensemble. Le nom que j'invoque, si je ne hais pas l'iniquité, je ne m'éloigne pas du péché, Dieu ne va jamais me oindre de façon durable au-dessus de mes égaux. Dieu ne le fera pas. Et David dit, si j'avais conçu le péché dans mon cœur, écoutez très bien, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je vais vous montrer le Père et le Fils bénis. Les deux ont été bénis, David et Salomon. Ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Mais quelle est la grande différence entre David et Salomon? Parce que quand David invoquait le nom du Seigneur, quand le péché est là, il se répand et il s'éloigne du péché. Mais on ne voit jamais Salomon se repentir. Il n'a pas l'esprit de repentance. Ce qu'il veut, c'est le succès, la prospérité. Dieu l'a rendu riche plus qu'aucun homme. Il a mal terminé, pire qu'aucun homme. Et c'est pourquoi j'ai peur de parler de Dieu ce matin. Et je veux vous parler, vous avertir. Écoutez-moi très bien. Très bien, pasteur, faut pas pasteur, vous amuser. Hein? Nous allons voir David et Salomon. Et ne David, ne Salomon.
D'abord, voyons David. 1 Samuel 16, verset 13. Dans Samuel Pila, verset Pila. 1 Samuel 16, verset 13. Dans Samuel Pila, verset Pila. La Bible dit dans ce passage-là, oui. Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Première marque de la vie de David. C'est un homme que Dieu a oint et a fait reposer le Saint-Esprit sur lui. C'est sa première caractéristique. C'est vu et su de tout le monde. Son père, sa mère était là. Ses frères étaient là. Le prophète de Dieu était là. Mon frère, ma soeur. Et il est dit que l'esprit qui reposait sur David là, l'esprit qu'il a saisi a continué à le saisir jusqu'à la fin de sa vie. Regardons, ça c'est le commencement de la vie de David. Regardons la fin de la vie de David. 2 Samuel 23, verset 2. 2 Samuel 23, verset 2. Est-ce que Samuel va bien terminé et ya, David va bien terminer. 2 Samuel 23, verset 2. Verset Samuel 23, verset 2. L'Esprit de l'Éternel, il est couché, il va mourir. Bientôt. Il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le vieillard en train de mourir. Il y a plus de 40 ans, l'esprit qu'il a reçu là. Sur son lit de mort. L'esprit continue à parler par lui. Et la parole de Dieu est dans sa bouche. Ça, c'est les deux extrémités de la vie de David. Et à cause de ça, la reine de Meninga. Autre caractéristique de la vie de David, ce n'est pas le Saint-Esprit et la parole seulement. David était toujours animé d'un esprit de repentance. Il dit que celui qui annonce le nom du Seigneur s'éloigne de péché et de l'iniquité. David était l'homme qui avait l'esprit de repentance. Il savait que tout péché qu'il commettait attristait Dieu. Et brisait son propre cœur. Parce que l'Esprit de Dieu qui est sur lui, dès le moment où l'Esprit a trissé, son propre cœur est brisé. Troisième caractéristique de la vie de David. Vous allez voir pourquoi cet homme-là, Dieu l'aimait. Il est rapidement, il s'éloigne du péché. Et c'est l'homme qui a le plus prononcé en son temps le nom du Seigneur. Regardons, un jour David a péché. Et il a péché parce que et il a voulu jouer d'abord à l'hypocrite. Il était dans le péché, mais il jouait au champion, il jouait à l'hypocrite dans son palais. Il continuait à vivre comme si rien n'était. Comme beaucoup d'entre vous. Tout péché secret sera dévoilé.
Ne vous amusez pas avec vous-même. La Bible dit, ton péché t'atteindra, mon péché m'atteindra. La Bible dit, le péché est une flèche. Quand la flèche l'a envoyée, elle va t'atteindre obligatoirement. Donc, David a péché. Mais il veut masquer le péché. Il appelle les soldats pour venir manger chez lui. Le Saint-Esprit empêche le soldat d'aller chez lui. Nous ne connaissons pas ce Dieu, c'est pourquoi on s'amuse avec lui. Le roi envoie le soldat en permission d'aller dormir chez lui. Le roi, personne ne peut désobéir à l'ordre du roi. Mais le Saint-Esprit bloque le soldat à la porte, il dort à la porte. Écoutez, le Saint-Esprit va en paix. Ok. Il continue son hypocrisie. Il savait bien que ce qu'il faisait n'est pas bien. Mais comme il est roi, il est béni, il est élevé, il ne veut pas reconnaître d'abord son péché. David ne savait pas. David a il n'avait pas encore appris à connaître le Saint-Esprit. Alors, pas le Saint-Esprit était sur lui. Et le Saint-Esprit lui a donné la capacité de vaincre Goliath. De vaincre l'ours et le lion. De faire des exploits. Mais il ne savait pas David que le Saint-Esprit connaît sa vie en détail. Un jour, David est assis chez lui au palais. Voici que le prophète Nathan, son pasteur, rentre. Arrêtez, prophète Nathan, il est pasteur à qui en Azakapoua. Il rentre, c'est l'homme ouin. À qui est l'homme talamunamkabazaken. L'homme béni. L'homme selon le cœur de Dieu. Et lui raconte une parabole. La tour en torsa solom gomde. Parce que l'homme de Dieu ne veut pas humilier David. C'est pourquoi un homme de Dieu sage n'humilie pas. Il lui parle par parabole pour que la réaction vienne de lui-même. David quand il a parlé à David, David n'aime pas le péché. David, il n'aime pas l'injustice. C'est dans ça que Dieu va le prendre lui-même. David est un homme juste qui aime la justice. Quand on lui a raconté ça, David dit tout de suite, il réagit selon son cœur. Son cœur est honnête, mais ici, son cœur honnête va le révéler lui-même, il ne sait pas. Il dit, mais qui est cet homme-là? Amenez-le, on va le couper la tête. Écoutez-moi. Je parle de chacun d'entre nous ce matin. Femme et homme. Pas vous asseoir dans votre hypocrisie. Hein. Dieu peut venir me parler dans ma chambre et je vous vois. Est-ce que Nathan était là-bas? Hein? Jouer. Vous croyez que vous allez en ville ici, vous partez dans les maisons closes, vous partez dans des endroits. Il y en a plein ici. Donc vous partez, vous louez des maisons, vous dormez là-dedans. Ok, continuez. Continuez, je vous dis continuez. Si je suis homme de Dieu, continuez. Je vous donne un dernier avertissement ce matin. Nathan n'était pas là-bas. En attendant la KBBY.
Nathan n'était pas là-bas. Nathan n'a pas pas n'est pas dans sa main. Personne lui a dit. N'est pas parti, il est là. Le Dieu de David a parlé à Nathan. Le même Dieu de David là, il a parlé. David invoque le nom de Dieu. Dieu dit, si tu invoques mon nom et tu ne t'éloignes pas du péché, David, ça ne va pas. Si tu, si tu invoques mon nom, éloigne-toi du péché. Sinon, je vais révéler ton péché à quelqu'un d'autre. Alors, Nathan du roi. L'homme que tu veux tuer là. Tu es vraiment prêt à le tuer? David, je suis sincère. Il dit, ok, c'est toi-même. Prends, prends ton épée. Et fais harakiri, on va voir. David dit, ah bon? C'est moi-même. Il dit, oui. Il y a toutes les femmes dans le royaume. Si tu voulais une femme, Dieu allait t'en donner. Tu peux prendre la femme de ton soldat. Tu couches avec elle. Tu ne te répands pas. Tu fais tuer ton soldat. Et moi, si au ciel, je te regarde, tu ne te répands pas. Tu es en train de faire des techniques. Je suis venu te révéler ton propre cœur. Depuis ce jour-là, David va changer. Si nous ne nous répandons pas, la main de Dieu va venir. Comme tu n'as jamais senti. Regarde ce qu'il y a. Il ne faut pas nous amuser ce matin. Le nom de Jésus. Quiconque prononce ce nom doit s'éloigner de l'iniquité. Écoutez, frères et sœurs. Je parle de la chair ici, jusque ici, jusque au monde entier. Je ne parle pas d'ici pour vous parler. Je parle d'ici. Ici, ça me concerne et ça concerne tout le monde. Ce qui va sauver David. Dès qu'on lui a pointé du doigt, il s'est mis à genoux. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas ça. Vous ne commencez le même péché. Vous ne voulez pas vous repentir. C'est pourquoi quand la main de Dieu va venir, tu ne pourras pas échapper. David s'est jeté à genoux. Il a crié. Dieu dit au prophète, dis-lui qu'il ne mourra pas. Il lui voulait tuer l'autre là. Moi je peux le tuer. Mais il ne mourra pas. Mais il vient d'ouvrir à sa maison une porte qui va lui créer des problèmes. Le péché. Le péché. Caché. Que nous ne voulons pas délaisser. Il nous détruit. Mais si tu commets un péché, tu reconnais, tu confesses, parce que tu es triste, le sang de Jésus te lave, te purifie. Regardons ce que David va dire. David va nous raconter son expérience dans Psaume 51. Verset 2. Il parle à Dieu, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Est-ce que tu comprends ça? David d'abord reconnaît son péché. Le péché est sous plusieurs noms, plusieurs formes. David reconnaît ça automatiquement. Ça peut être le péché de mensonge, tromperie, vol, toutes sortes d'escroqueries, la fornication, l'adultère, c'est toute forme de péché, la diffamation, vivre là-dedans, détruire la vie des gens par les mensonges. Péché, c'est péché. Il dit ici,
Purifie-moi et lave-moi. Purifie-moi de mon péché. Tel était le cri du grand roi. Et le verset 3 nous dit, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas pécher et que le péché ne soit pas devant nous, c'est faux. Le péché que nous commettons est constamment devant nous, ça nous irrite. Quand les gens nous parlent, on croit qu'ils sont au courant. Quand nos femmes veulent parler, on est fâché contre eux. Quand nos maris veulent parler, on est fâché contre elles, contre eux. Et quelqu'un veut nous parler à l'église, quand le pasteur prêche, ça nous irrite. Ça veut dire, ton propre péché est devant toi. Chaque fois qu'on parle que ton père et ton cœur est énervé, ça veut dire que ton péché est là. Ça veut dire qu'il est là. Chaque fois qu'on met l'alcool sur ta peau et ça brûle, ça veut dire que la plaie est là. Alcool handling, faut gang ajouter nyongon zabne, notre bébé. Ce n'est pas le pasteur qui est ton problème, c'est ton péché qui est ton problème. Pasteur, la foi est là, il faut y aller là. Ce n'est pas ton mari qui est ton problème, c'est ton péché qui est ton problème. Pas fossile, la foi est là, il faut y aller là. Ce n'est pas ta femme qui est ton problème, non. C'est à cause de ma femme, j'ai fait ça. Non. C'est ton... Est-ce que la femme de David a poussé David à coucher avec Bathsheba? Pas faux, pareil, il faut marier le David, parent, tu sais, tu un yon à Bathsheba. Apparemment, il est là. Verset 4. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. La maman David manasinya yoko en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Oh, Seigneur, si tu me juges, tu seras sans reproche. Tu es juste. Ah, verset 5. Regarde le verset 5. C'est ça. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. David nous révèle quelque chose ici. C'est vrai, il a péché, mais nous révèle que ce genre de péché qu'il commet là vient de sa famille. Il nous révèle qu'il y a des péchés donc familiaux qui peuvent caractériser quelqu'un. Et quand tu vois ce péché là se multiplier dans la famille, ça veut dire que si tu pars loin, soit le grand-père ou une tante ou un oncle faisait ce genre de péché, tu vas le voir dans ta propre vie. Il confesse son péché et il confesse le péché de ses parents. Verset 6. Ah. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La vérité. Frère, Dieu veut que la vérité soit au fond. Il ne faut pas chercher. C'est la fille là qui m'a tenté. C'est le garçon qui m'a tenté. Ne cherchons pas. Ça ne sert à rien. Dieu connaît les détails. Il sait ce qui est dans ton cœur. Tu as volé là. Il ne faut pas dire parce qu'on a posé l'argent. Non. S'il n'y a pas de vol en toi, on peut poser milliards, tu ne toucheras pas. Tu veux faire donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et maintenant, la grande peur de David, il va l'exprimer, vous allez le voir. Il a une grande peur. Parce qu'il a vu quelque chose se passer dans la vie du roi qui l'a précédé, qui s'appelle Saül.
Balanya boum hanyosre limning de nyevu de wonta sayul. Et quand il a pensé à son péché, à ce qu'il a fait, la David ta yel tout de suite, après avoir confessé, s'être repenti, confessé, il fait une demande à Dieu. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il y a deux choses ici. Ne me rejette pas, ne m'éloigne pas de toi. Donc, effectivement, on peut être éloigné de. On a dit le péché nous éloigne. Deuxième élément, ce qui fait toute ma force, ce qui fait de moi ce que je suis là, c'est le Saint-Esprit. Si tu m'enlèves ça, il vaut mieux que je meure. Parce que ça ne sert, c'est fini pour moi. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. J'ai vu comment tu as retiré ton Esprit Saint à Saül. Je l'ai vu comment il est tombé jusqu'à ce qu'il ait commencé à adorer des idoles. Alors, Dieu nous parle ce matin. Église du TBI. TBI Terba. Dieu vous a béni et il a béni David. Il a béni Salomon. Mais ça, ce n'est pas une marque que ta vie plaît à Dieu. Là, il pas bandé. Faut vous ma ta ah oui. Ce n'est pas une marque que tu plais à Dieu. Pas bandé. Faut ta yamwa. Non, ça c'est la main de Dieu. La Bible dit que les enfants d'Israël connaissaient les voies de Dieu, les voies, c'est-à-dire la manière dont Dieu travaillait. Mais Moïse connaissait la face de l'Éternel, c'est différent. C'est deux sortes de vie. Les enfants d'Israël voyaient les mains de Dieu. Il envoie la manne. Il envoie l'argent. Il envoie la bénédiction. Il envoie la guérison. Mais ils n'ont pas pu rentrer en Canaan. Moïse n'est pas rentré à Canaan pas à cause de ses péchés, à cause du peuple là. Moïse, lui, il connaissait la face de Dieu. Ça veut dire que quand il regarde la face de Dieu, quand il voit que Dieu n'est pas content, Moïse dit, ah non, les enfants de Dieu s'en foutent. Dieu n'est content, il n'est pas content, ce n'est pas un problème. Donne-nous à manger. Bénis-nous. Donne-moi l'argent. Ils s'en foutent. C'est comme les petits enfants. Des enfants demandent seulement son papa, il ne regarde pas son visage. Mais quand l'enfant grandit, quand il pose des actes, il regarde où? Le visage de son père. S'il voit que le visage de son père est triste, il sait que ce n'est pas bon. Est-ce que tu es un genre de chrétien comme ça? C'est la mère de Dieu qui t'intéresse. Face à face, les enfants de Dieu connaissaient ses voix, mais moi, il connaissait sa face. Moïse connaissait sa face. Il savait. Quand Dieu est comme ça, triste, il savait qu'il y a quelque chose. Alors, mon frère, ma soeur, écoute-moi ce matin. Ne nous leurrons pas avec les bénédictions de Dieu. Oui, les proclamations nous donnent beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, le péché non avoué attriste le Saint-Esprit et nous enlève la joie. Le même David va nous montrer encore le psaume 32, verset 3. Qu'est-ce que ce psaume nous dit? David dit, tant que je me suis tué après mon péché, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Ouais, quand nous commettons des péchés, il y a un feu qui commence à brûler en nous. Nous commençons à gémir. Par exemple, quelqu'un a volé de l'argent quelque part. Dès le moment où il va quelque part, on parle d'argent seulement, tout de suite là, il est énervé. Et il croit que c'est de lui qu'on parle. Il croit.
Si quelqu'un a trompé des gens, dès que vous allez quelque part, il y a trop de fraudeurs, d'escrocs dans le pays. Là. Tout son cœur commence à gronder. Et puis il se met en colère contre vous. Pourquoi se met en colère? Parce qu'il est accusé intérieurement. Quand un homme a commis adultère, dès qu'il arrive, quand sa femme dit, d'où viens-tu? Tu crois que c'est quoi? Il y a quoi encore? Y a quoi? Non, non, mon ami. Non. Il y a un problème. Ce n'est pas la peine de discuter. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut dire, hey, va te coucher. Ce n'est pas moi qui vais t'énerver. Va te coucher. Il faut que je m'amène là. On dit que le malfaiteur court sans policier derrière lui. Quand quelqu'un a volé une moto, il arrive à un carrefour. Il voit les policiers en train d'arrêter les gens. Tu vas voir, il commence à courir tout seul. Et s'il voit quelqu'un derrière lui, il croit que c'est lui qu'on cherche. Le péché vilipende, humilie et nous honit. Le péché fait que quand quelqu'un me regarde, ah, je crois que cet homme-là était au-dessus de ça, là, mais je ne parle pas de péché ponctuel, hein, quand on vit là-dedans. David dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Verset 4, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ah, la main de qui? De Dieu, pas de Satan. De Dieu. Quand je vis dans le péché, la main de Dieu est sur moi. Ça veut dire quoi? La main lourde de Dieu est sur moi. Je suis mal à l'aise. Parce que la main de Dieu, là où est le Saint-Esprit, la main de Dieu rapidement vient sur toi pour te convaincre que ton refus de pardonner là, tant que tu ne pardonnes pas là, tu n'auras jamais la joie, la paix. Verset 5, alors David dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. C'est si facile. Je ne veux pas cacher. Je vais avouer, je vais reconnaître. Et je vais m'en détourner. Et quand il a pris cette décision-là, la main de Dieu a été enlevée. Et la joie a commencé à venir. Bien-aimés frères et sœurs, Samuel 22. Nous sommes toujours avec la vie de David. 2 Samuel 22. Verset 6 et 7. Voilà une des prières de David. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. La suite. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Parce que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Le malheureux, ce n'est pas le pauvre. Le malheureux, c'est celui qui vit dans le péché. C'est celui qui refuse d'avouer son, reconnaît son péché. C'est celui qui vit dans l'hypocrisie du péché. C'est celui qui a tous les justificatifs pour continuer à vivre dans le péché. C'est de ça qu'on parle. Quelle est ta situation, mon frère, ce matin? Quelle est ta situation, ma soeur?
N'essaie pas de, d'être tendu, ça ne sert à rien. C'est Dieu qui te parle à travers ma bouche. Il me parle en premier lieu, il te parle. Donc, il ne te condamne pas, mais il est en train de t'aider pour que tu sois libéré. Versets 17 et 18. Il étendit sa main d'en haut, vous voyez bien. Quand il a crié, il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me retira des grandes eaux. C'est ça, 18. Il me délivre de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Mais je te pose la question. Pourquoi Saül ne pouvait pas vaincre Goliath? Parce qu'il était dans le péché. Quand il y a le péché, le Saint-Esprit n'opère plus. Il était dans le péché. Et le Saint-Esprit n'opérait pas. David était dans l'obéissance. Mais quand David a fait cela, il n'a plus opéré. Il s'est assis. Il a mis sa vie en ordre. Ouais, tout ce temps-là, David ne fait rien. Lisez la Bible. Il ne faisait plus rien. Il a mis sa vie en ordre. Il a avoué ses péchés. Il a demandé Dieu la pardon. Et Dieu est venu par sa puissante main à combattre ses ennemis, ses adversaires. 1 Chronique 29, verset 26. David, fils d'Ésaïe, régna sur tout Israël. Regardez. On va vers la fin de la vie de David. Il a fait de grands exploits. On voit maintenant sa fin. Il régna sur tout Israël. Verset 28. Il mourut dans une heureuse vieillesse. Rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Est-ce que vous entendez? Le gars est mort d'une heureuse mort. Avec assurance. Que quand il va ouvrir les yeux dans l'éternité, il verra Dieu. Ne confond pas la faveur de Dieu et la sainteté de Dieu. La faveur de Dieu n'annule pas la sainteté de Dieu. L'amour de Dieu n'annule pas la sainteté de Dieu. L'amour, la grâce, la faveur là, c'est la souveraineté de Dieu. Mais la sainteté dit, je suis saint, soyez saint comme moi je suis saint. Soyez saints dans vos paroles, dans vos actes. Arrêtez les demi-vérités, arrêtez les exagérations, arrêtez les choses bizarres que vous faites. Ça ne vous sert à rien, ça ne me sert à rien. Basé sur le sur ça, basé il y en a, il n'y a pas de manta pas seulement, pas n'afanyamba, pas quoi d'yamba fi. Ça ne fait que te créer des problèmes. Antoine y'a pas hier balon contre. Ça te crée des problèmes. Les gens peuvent être contents, ils peuvent te féliciter, mais Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content d'une demi-vérité. Mon frère et ma soeur, le psaume 3, verset 3 et 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Verset 4. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je crois que le verset 5 ramène. Je me couche, voilà. Et je m'endors. Je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Voici celui qui a l'esprit de repentance, qui invoque le nom du Seigneur avec vérité.
qui reconnaît son péché, qui décide de se séparer de son péché, cette personne là se couche. Mais autre part, dès que le méchant, c'est-à-dire celui qui refuse Dieu là, il se couche en tremblotant. N'importe quel bruit le fait peur. Il a peur, il va de groupe de prière en groupe de prière. Parce qu'il n'a pas d'assurance. Il n'a pas d'assurance. Il dit le juste comme un jeune lion, il a l'assurance. Celui qui sait qu'il n'y a pas de péché, il a avoué ses péchés. Et qui s'est séparé de son péché. Cet homme-là se couche la nuit. Il dort. Il se réveille avec certitude. Acte 15, verset 16, pour terminer avec David. Acte 15, verset 16. Regardez maintenant ce que Dieu dit. Dieu dit après tous les hommes. Quand les hommes seront enlevés, regardez. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai parce que quelqu'un va détruire la tente de David, il s'appelle Salomon. Tous les descendants de David vont détruire sa tente. Dieu dit que lui, il va revenir. Il va revenir. Il va relever la tente de David. Il va la redresser. Il va la réparer. Et il a prévu une grande place pour David dans... Il y a deux personnes qui ont eu deux grandes places. Abraham. Dieu a créé le sein d'Abraham. Abraham au ciel. David. Dieu a créé dans le nouveau, dans la nouvelle Jérusalem. Jérusalem parle pour. David sera une grande personnalité dans la nouvelle Jérusalem. David Jérusalem parle pour. Non pas parce qu'il n'a pas péché. Quand il péchait, il reconnaît. Et depuis ce temps-là, tu as vu David encore détruire une femme, prendre une femme. Ce qu'on lui a donné, c'était. Les gens lui ont donné, mais plus jamais. Jamais. Il a renoncé à ça. Allons voir maintenant David et Salomon. Quand David remettait le royaume à Salomon, David était béni, il avait tout. La Bible même dit que quand David était vieux, on lui a amené une jeune fille. Est-ce qu'il l'a touchée? Qui a dit à lui ça? On dit qu'il était vieux. On lui a amené une jeune fille pour la réchauffer. Mais jamais David n'a touché à cette jeune fille. Parce que pourtant il avait le droit. Il n'a jamais fait. Parce qu'il maîtrisait les choses maintenant. Regardons la vie de Salomon. La postérité de David. Nous avons dit que dans David, on a vu le Saint-Esprit et l'Esprit de repentance. Mais dans la vie de Salomon, nous ne voyons nulle part la marque du Saint-Esprit sur sa vie. Comme David. Il est dit que, écoutez-moi, Samuel a oint David. On dit le Saint-Esprit vient sur lui. L'a saisi. On sera David. Parmi ses frères, jusqu'à ce jour-là. Mais Salomon ne voit jamais ça. David a tout préparé pour Salomon. Il a vu comment son père a réussi. Mais nous allons voir quelques marques de la vie de Salomon. Donc, premièrement, il n'avait pas la marque du Saint-Esprit sur lui. Et nous ne voyons nulle part l'esprit de repentance dans la vie de Salomon. Il a appris beaucoup de choses de David.
Il a appris l'organisation. Azam David à la fin de sa vie était très organisé. David a hérité de la bonne organisation de David et il a lui-même il a amplifié. La pama David. Il était méticuleux pour les choses de Dieu, pour le service de Dieu. Il était méticuleux, écoutez-moi, pour les choses de Dieu, pour les choses spirituelles. Mais là, et du moins encore, il était plus instruit que son père David. David était simple berger. Salomon avait une capacité extraordinaire, une capacité impressionnante. La reine de Saba, quand elle est venue, elle a attrapé sa boue et dit, on ne m'a même pas dit la moitié, mais tu es un homme au-delà. Saba l'impoakawa, ni me mwaba non la mou nini. Amtoman foya saba ma mou mana gesa. Papusuka, foyi la mamou de foya. Mon frère, ma soeur. Il a fait des réalisations extraordinaires. Amana toum kasemse, ni pa mana te dunila. Il a fait des inventions partout. Il arrosait les forêts. Mais il était un homme extraordinaire avec des révélations extraordinaires. Mais on va se demander, mais où est-ce qu'il a eu tout ça? Pasteur, tu me dis qu'il n'y a pas la marque du Saint-Esprit dans Salomon. Attends, je vais te parler. Son secret? Il a vu son père opérer. Mais il n'est pas allé dans ça. Lui, il est parti demander à Dieu de lui donner quoi? La sagesse et... Mais est-ce qu'il a dit qu'il veut connaître Dieu? Hein? Écoutez-moi très bien. Il veut les outils, mais il veut pas le Dieu des outils. Il veut les dons spirituels, mais il ne veut pas le Dieu des dons. Il veut l'argent de Dieu, il ne veut pas le Dieu de l'argent. Et Dieu va lui donner à propre, il va lui donner tout. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, mais Dieu se répand de son esprit, c'est différent. Les dons spirituels, Satan les a. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Satan, regardez son onction là, d'expansion. Regardez comment il domine le monde. Ça, c'est les dons. Mais ce n'est pas une marque que tu as approuvée par Dieu. La pas bande, sacré. Puisque ces choses, tu ne vas rien amener au ciel. Toutes ces choses, tu vas rien amener au ciel. Tu vas bon quand ça fait, faut pas entendre du yingri, n'a pas qu'à. Et vous allez voir la fin de Salomon. Il va tout perdre. Il va tout perdre. Son secret, la sagesse, la connaissance, l'intérêt. Il a appris que Dieu agit, même Dieu agit avec la sagesse, mais Dieu est d'abord esprit. Seigneur, donne-nous les dons spirituels. Ok, tenez mes enfants. Que voulez-vous encore? La prospérité, tenez. Vous voulez quoi? La manne, tenez. Vous voulez quoi? Les cailles, tenez. Vous voulez quoi? L'eau pure, tenez. Vous voulez quoi? L'argent, je vais dépouiller les Égyptiens, vous donner. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont tous morts au désert un à un avec tout ce qu'ils ont reçu. Chaque fois qu'ils invoquaient le nom de Dieu, c'est avec
hypocrisie et mensonge. La sainteté n'était pas liée au nom du Seigneur. C'était le mensonge. Mensonge, hypocrisie. La faiblesse de Salomon. Sa faiblesse. Il ne connaît pas le Dieu de son père David. Il ne le connaissait pas. Mon frère. 1 Chronique 29, regardons, il a eu du succès comme jamais. Et quand on lit ça, ça nous trompe un peu. David a eu le même succès, mais regardez sa fin comme la Bible dit. Mais lui aussi, il a eu du succès, mais regardez. 1 Chronique 29, verset 23. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. Vous voyez bien, sur le trône de l'Éternel. Dieu a fait un trône pour lui. Comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Ah, à cause de quoi? De la sagesse et tout. Fais attention à ça. Le verset qui suit. Verset 24. Tous les chefs et les héros. Et même tous les filles du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Tu entends? Regarde comment la gloire de cet homme-là. Il a tout reçu. C'était extraordinaire. Tout le monde dit, hey, Salomon est béni. Oui, il était béni. Personne ne peut dire, on dit, c'est Dieu qui l'a élevé. Personne ne peut dire ça. Mais je vous dis, ça c'est les voix de Dieu, ce n'est pas la foi de Dieu. Ne confonds pas la foi de Dieu et les voix de Dieu. Mais regardez quelque chose, je vais vous dire. Regardez quelque chose. Il a eu du succès. Mais quand David parlait, il parlait. On dit que David parlait du Saint-Esprit. David parlait la parole de Dieu. Regardons la prédication de M. Salomon. On va voir. Si, regardez la prédication de M. Salomon. Sa prédication se trouve dans Ecclésias et tout. Regardons une de ses prédications, on sera étonné. Ah, David, la monsieur Salomon, il y a quoi, mon raton, il y a quoi, il s'en pourra. La yelle en ligne ton. 1 Roi 4. Rainem dim dam nase. Verset 29. Verset pis la way. Regardez les enseignements et les prédications de Salomon. 1 Roi 4, verset 29 et 30. Rainem dim dam nase, pis la way la pista. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Reste là. Dieu lui donna don. Il a reçu quoi? Des dons. Ça vient de qui? Dieu. Il va utiliser ça pour quoi? C'est ça. Pourquoi? Les dons que tu as là, tu l'utilises pour quoi? Le verset qui suit. Même il donna la sagesse de Salomon, surpassait la sagesse de tous les filles de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Mais on ne voit aucune gloire de Dieu dans ce que Salomon a fait. C'est lui. C'est lui. Et vous allez voir ce qui va se passer. Verset 30, on a déjà vu. 32 maintenant. 32. Il a prononcé 3000 sentences. Voilà la prédication de Salomon. 3000 sentences. Bon. Et composé 1005 cantiques.
La yila yila bamtu la nu. C'était un compositeur, mais pas comme David. Les cantiques de David, les psaumes de David sont profonds. Mais lui, il fait des sentences, 3000 petites prédications, 1500 cantiques. Voilà, c'est le prédicateur Salomon comme ça. Tout le monde est content, mais ça n'impacte pas ni sa vie, ni la vie des gens du royaume. Vous allez voir, il n'y a pas d'impact. Quand il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit tout le pied nous, la n'a pas si nerveux, pas si seulement nerveux. La date de vie, il s'en vient à Zulungu. Verset 33. Il a parlé sur les arbres. Regardez, toute la sagesse là, la connaissance là, tout. Il a parlé sur les arbres. Depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'Isop, qui sort la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Ah, tout le monde venait l'écouter. Mais la vie des personnes ne changeait. Quelle sorte d'homme tu es, quelle sorte de femme es-tu? Philosophie. Tu aimes suivre. C'est ça le problème. Regardez. Prédication de Salomon. Salomon, comment on a quoi? Verset 34. Verset si on ne l'a pas déjà lu. Il n'a pas besoin d'un karma. Ouais, regardez, les gens aiment ça. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. De la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Mais est-ce qu'ils ont entendu parler de Dieu? Est-ce que ta vie montre Dieu? Ta vie ne montre pas Dieu aux gens. Ta vie montre ta puissance, ta richesse, ta gloire, ta connaissance, tes diplômes, mais ne montre pas Dieu. C'est ça. Ta vie montre tout sauf Dieu. Faut gérer, faut tarer. Faut bangre, faut diplôme d'amba, la pauvre du noir n'am neba, bumba fa, wenba la pauvre du neba. Les gens venaient non pas pour Dieu. Neba la wata pa weni mkwei, gesi awari ka weni siga. Les gens suivaient David. Neba la poada. Quand David a prêché dans son église appelée donc la caverne de Adulam. Ça, c'est l'église de David. Il a prêché à 400 voyous. Lui-même, sa vie était un modèle. Il a dit aux gens, voilà, tu sais, moi, je péchais comme vous avant. Hein. Je ne suis pas mieux que vous. Moi aussi, je péchais comme vous. Toi, tu es fornicateur. J'ai forniqué. Toi, tu es adultère. J'étais adultère. Toi, tu es criminel. J'étais criminel. Dieu a changé ma vie. Voici le message. Les gens ont dit, ah bon? Dieu veut faire ça? Oui. Et ces hommes-là étaient transformés en 400 vaillants. Mais le monde entier courait pour aller voir Salomon. Personne n'est changé. Est-ce que ta vie est un témoignage? Quel sort de témoignage? Quand les gens te regardent, quel sort de témoignage? Quel sort de témoignage? Cachette pour la vôtre là. Oh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. C'est ça. Yare. Pourquoi? Boyinga. On n'a pas compris pourquoi beaucoup de choses vont arriver à Salomon. Vous vous en avez pas à Salomon. C'est la même désobéissance que Saül avait. Ya moins qui zienga ou Saül on datara. Saül était moins. Saül datara kama. Il a désobéi. À qui ça on a mené? Ça lui a coûté cher. Ita aligidi. Salomon, à Salomon est le fils de David. Ya David biga. On va voir qu'il a développé l'esprit de désobéissance et il n'a pas appliqué l'esprit de repentance. Regardons Deutéronome 17.
Ce que Dieu avait dit concernant les tout roi d'Israël, Les gens disent non, non, on peut s'enrichir pourvu que on veut donner la dîme à Dieu. Non, 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 non. Deutéronome 17. Verset 16. Dieu dit, voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Dieu dit que tout roi, on parle des rois. Puisque Dieu dit que vous aurez un jour des rois. Écoutez ce que Dieu dit, écoutez ça bien. Vous allez voir la vie de Salomon. Dieu dit à tout roi qui n'est pas un grand nombre de chevaux et qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Écoutez bien. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournez plus par ce chemin-là. Verset 17. Ce n'est pas fini. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, les rois, afin que son cœur ne se détourne point. Et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. C'est-à-dire qu'il doit donner. Ça, Dieu dit, tout roi d'Israël. Regardez, David n'a pas fait ça. David, il, écoutez, si vous regardez la vie de David, il n'a pas fait. L'argent et l'or qu'il a eu là, c'est pour construire quoi? Le temple. Oui ou non? Mais Salomon, ce n'est pas ça. C'est ce que Dieu dit au roi. Regardons maintenant. 1 roi 10. On va regarder si ce que Dieu a dit à Moïse là, Salomon va le mettre en pratique. 1 roi 10, 28. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses... Il tirait ses chevaux d'où? Qu'est-ce que Dieu a dit? De ne pas tirer les chevaux d'où? Vous vous dites, ah, Salomon était béni, il était béni avec quelle bénédiction? Ah, je suis béni. Toi, tu fais des trafics, tu fais des compromissions avec le monde, l'Égypte, et tu dis que tu es béni. Tu te trompes. Mon ami, tu te trompes. Il tirait ses chevaux de l'Égypte, alors que Dieu a dit de ne pas tirer nos chevaux de l'Égypte. Ah oui, mon Dieu, vous n'avez pas tiré de l'Égypte. De ne pas faire ça. Ça, c'est concernant les chevaux. Concernant les femmes maintenant. 1 roi 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Il aima les femmes étrangères. Les femmes, on n'a pas d'étrangers par nationalité, hein? Les femmes qui ne connaissaient pas Dieu. Sa vie était parsemée à gauche, à droite de femmes inconverties, de femmes qui... Oh, c'est ça. Reviens au verset. Outre la fille de Pharaon, sa femme était qui? Une de ses femmes, c'est qui? La fille de qui? La fille de Pharaon l'a amené la paix dans sa maison. Il a amené quel Dieu? Égypte ou Nama. Vous amusez avec ça. Des Moabites. Des Ammonites. Édom. Édom. Sidoniens. Éthiens. Va lire ces peuples-là. Ce sont ces peuples que Dieu a chassés de Canaan. Il a dit de ne pas prendre une femme, de ne même pas avoir de relation avec une femme. Vous dites Dieu m'a béni et vous êtes dans la relation avec des femmes païennes et vous voulez que Dieu vous laisse. Vous êtes en relation avec des hommes païens, vous quittez l'église, vous partez parce que le gars est PDG, DG, et il est un païen, un gars d'un club ésotérique. Vous partez, vous livrez à lui et vous venez que Dieu vous bénisse, Dieu va vous bénir. Mais vous allez vomir ça. Regardons. Ah. 1 roi 10, verset 27. Concernant l'or et l'argent, Dieu a dit de ne pas faire de l'amas
amasser, lui, il va démocratiser l'or et l'argent. Un roi 10-27. Il rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Ça servait à quelqu'un? Est-ce que vous voyez que le pays était béni? Il a rendu l'argent est rentré dans sa main. Quand il fait un projet, l'argent rentre seulement. L'argent rentre. Il dit, ah, ce petit-là, il est plus sage que David. Mais tout le capital de David, il va le détruire. Tout. À Babetien. Attends, ça fait. La fin d'une chose vaut mieux que son. C'est pas ce qui c'est. La fin là. Regarde. Moi je fais attention à ma vie dans ça. Hein. Que Dieu m'aide. Que Dieu vous aide. Alors, voyons la fin de Salomon. On a vu la fin de David. Voyons la fin de Salomon. Un roi 11-6. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de qui? Salomon a si a winga kans of nini. Aux yeux de la reine de Saba, il a fait quoi? Saba dina nini mala boy. La reine de Saba admirait Salomon pourquoi? Saba dina pour grand andas à Salomon boyinga. Pour les autres rois, là, Salomon faisait quoi? La bouta Salomon la mala. Du bien, non? Amanda ni roi. Non, mais c'est ça, non? Les gens venaient écouter Salomon, ils l'applaudissaient. Mais est-ce qu'en ce temps, Dieu l'applaudissait? Ce que les gens pensaient que c'est bien là, pour, aux yeux de Dieu, c'était quoi? Le mal. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Il n'a pas suivi Dieu. Comme son père, il n'a pas l'esprit de repentance. Il fait le mal. On veut lui parler, c'est fâche. C'est ça. Ça, c'est un. Ecclésiaste 2. Regardez le triste sort. Maintenant, vers la fin de sa vie, il va parler, il va se prêcher à lui-même. Tous ses jours ne sont que douleur. Et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. David n'a jamais parlé de vanité. Mais tout le langage de Salomon, vanité des vanités. Vanité des vanités. Vanité des vanités. L'argent, vanité. L'or, vanité. 700 concubines. Vanité. 300 femmes, vanité. Le temple, vanité. Il ne dort pas. Il y a la fin d'un homme. La fin d'un homme. La fin d'un homme. Il criait. Triste sort. Triste sort. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire. Regardez un homme de Dieu qui arrive à... Et l'enfant de David qui arrive à cette conclusion. Il dit le seul bonheur, c'est quand je m'assois, je mange et je bois. Et à faire jouir mon âme du bien-être. Mon âme se réjouit dans les plaisirs sexuels. C'est en ce moment que je suis excité, je suis content. Ce n'est pas fini. C'est quand je suis au travail que moi je suis content. Il dit, mais j'ai vu ce que cela aussi vient de la main de Dieu. Mais il dit, ça vient. Il dit, mais c'est vanité des vanités. La seule chose, ce sont les maquis. Les restaurants. Tu vas à quoi, tu manges. Les seules choses, c'est les plaisirs. Les plaisirs. Les seules choses, quand tu travailles, tu n'as pas de joie en Dieu. Tu ne peux pas ouvrir la Bible une heure de temps seul avec Dieu. Non, tu prends plaisir à toutes les choses qu'on passe à la maison du peuple. Tu prends plaisir à la télévision. Tu prends plaisir à tout, sauf à Dieu et à sa parole. Tu prends plaisir à tout, sauf à Dieu. Ça, quelqu'un l'a eu?
Est-ce qu'il y a un homme qui a eu des choses comme Salomon? Tous les domaines, tout ce que vous voulez là, lui, il a tout eu. Il a tout eu, tout ce que vous voulez là, il a tout eu. Il a eu 100 fois plus que son père. Mais son nom sera effacé. On parle de Dieu David, mais pas de Dieu de Salomon. Jamais. On va terminer. Pas la peine de mon frère, 1 Rois 11, verset 9. L'Éternel fut irrité. Écoutez, Dieu aimait Salomon, oui ou non? Maintenant, il est quoi? Attention, hein? Dieu t'aime. Mais le jour viendra où trop c'est trop, il va commencer à changer irritation. Et ton malheur commence. Il fut irrité contre Salomon. Parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Tu dis, ah, moi je n'ai pas détourné mon cœur. Mais ce que tu fais là ne correspond pas au cœur de Dieu. Ah, mais pasteur, moi j'aime Dieu. Menteur. Il avait dit dans Jean 15 quoi? Que celui qui m'aime obéit à quoi? À mes commandements. Dieu n'est pas un sentiment, Dieu n'est pas une fille pour dire que tu l'aimes, moi j'aime Dieu. L'amour de Dieu, c'est obéir à sa parole. Frères et sœurs, regardons ça. Jeunes gens, ne faut pas vous flatter. Verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, attention que Dieu te parle, puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Quelle terrible parole! Oh Dieu, je ne veux pas entendre ça. Ne laisse pas que Dieu te dise une chose comme ça. Tout ce que tu as là, il va enlever tout. Je vais l'enlever, donner à ton. Et Dieu va le faire. Verset 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon. Si tu continues, Dieu va te susciter un ennemi. Pas Satan, hein. Dieu même va susciter un ennemi. Il va détruire ta vie, tes affaires, ta famille. Écoutez-moi, hein. Il nous parle, on ne veut pas. Il nous parle, on ne veut pas. On dit non, Dieu est bon. Dieu est amour. La grâce. Oui. Voici un enfant de grâce. Voici un enfant de grâce. Voici un enfant d'amour. Voici un enfant que Dieu a retiré pour lui donner le règne. Verset 23. Dieu suscita un autre ennemi. Vous voyez bien. Premier, maintenant un deuxième ennemi. Un autre ennemi à Salomon. Verset 26. Jéroboam aussi. Serviteur de Salomon. C'est lui-là qui va prendre le règne. Leva la main contre le roi. C'est lui-là qui va faire tomber Salomon. Il a dit son serviteur. On dit Jéroboam le serviteur. Un roi 11. On a lu le verset 26, je crois. On a lu ça déjà. Ok. Un roi 11, verset 42 et 43. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Comme son père aussi, il a régné 40 ans. Puis Salomon se coucha avec ses pères. Il fut enterré dans la ville de David, son père. Tu as entendu le mot heureux? David est mort d'une vieillesse quoi? Il était rempli de joie, oui ou non? Tu as vu Salomon heureux? Il est mort et sur sa tombe, on n'a rien mis.
On a dit, voici le tombeau de Salomon. Tous ceux qui s'en vont en Israël, tu as entendu parler du tombeau de Salomon? Ceux qui sont partis en Israël, tu as entendu parler de Salomon? Attention, que tu ne termines pas ta vie avec une simple tombe que les gens vont oublier. Le message d'avertissement que Dieu nous donne aujourd'hui. Tébéi Éden. Si nous ne nous réveillons pas, ce qui est en train de venir sur le monde, là, vous êtes en train de vous que le pasteur a prophétisé sur moi. La prophétie du pasteur doit t'amener à te repentir. Mon frère, ma soeur, la proclamation doit t'amener à te repentir. Oh, moi aussi, j'obéis. Hein? Pourquoi ce matin? Il y a ça, mon frère. Le Seigneur m'a dit avant d'aller à Bobo que le nom de Jésus, là, il ne fonctionne pas dans n'importe quel milieu. Il fonctionne là où il y a la sainteté. Si nous refusons la sainteté, son nom ne fonctionne pas. Il dit, vous aurez des bénédictions. Salomon n'a jamais parlé du nom du Seigneur. Il a eu des bénédictions. Mais ça n'a pas duré. Ce n'était pas fondé sur le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous ne nous flattons pas. Alors baisse la tête, mon ami, baisse la tête. Toi qui as la télévision, internet, baisse la tête. C'est le message le plus important que tu as entendu depuis le début de l'année. C'est ce message qui concerne ta vie, ça ne concerne aucune bénédiction. Si tu es triste, ce n'est pas moi qui t'ai attristé, c'est ton péché qui t'a attristé. Ce n'est même pas la peine de m'en vouloir, ça ne te servira à rien. Je ne connais pas ta vie, ou même si je la connais. Je t'ai parlé de la part, ce qui est dans la Bible, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Alors, mon ami, c'est le moment. Ce n'est pas moi qui vais te conduire. Hein. C'est toi, toi, tu as péché, moi j'ai péché, chacun doit parler. Et moi aussi, je m'assois pour parler. Ah oui. Mon frère, ma soeur, c'est le temps où Dieu nous parle. Le Seigneur nous a parlé. Quel est le péché que tu ne veux pas avouer? Et tu ne veux pas renoncer. Et ce péché-là fait que la main de Dieu s'apesantit sur toi. Tu n'as pas la joie. Tes os sont consumés. Tu manges, tu bois, mais tu n'es pas rassasié. Il n'y a rien qui est de bon dans ta vie. Est-ce que tu vas renoncer à cette vie de mensonge? Cette vie d'escroquerie? Cette vie de diffamation, cette vie de fornication et d'adultère sur internet, Skype, tu fais des choses bizarres. Est-ce que tu vas renoncer à tout cela? Tu dis, mais personne ne me voit. Mais Dieu t'a vu ce matin et il te parle. Ce matin, mon ami, mon frère, renonce, coupe, jeune fille, coupe avec ces garçons-là. Homme, coupe avec ces femmes, ces filles. Ça ne te servira à rien. Tu peux perdre ton âme. À quoi ça sert l'homme d'avoir tout s'il perdait son âme? Et Dieu peut contrôler ton corps. Ton corps n'est pas fait pour la fornication et l'adultère. Ton âme n'est pas fait pour se réjouir dans le mensonge, dans le vol, dans l'escroquerie. Ça ne te sert à rien. Les larmes de ta femme vont t'atteindre. Ta femme pleure et crie ton nom. Le Seigneur me dit de te dire que ce matin qu'il a entendu les cris de ta femme, si tu ne te répands pas, le malheur va venir sur toi. Le malheur va venir sur toi. Alors ce matin, là, prends la décision. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Crie à Dieu ce matin. David a crié, il dit, Seigneur, j'avoue mon péché. Il ne faut pas murmurer. Quand tu commets le péché, tu n'es pas murmure. Tu fais ça comme un gaillard. Comme une gaillarde, tu fais ça.
les haines, les amertumes, ce sont des péchés qui atteignent les gens. Toutes sortes de péchés, l'orgueil, la vantardise. Tu penses que tu es plus saint que les autres. Ça aussi c'est un péché. Et tu dois faire du bien, tu sais ce que tu dois faire du bien, tu ne le fais pas, c'est un péché. Alors mon ami, ce matin là, c'est le temps de te repentir. Répands-toi sérieusement. Crie à Dieu et dis à Dieu que tu veux te séparer ton péché ce matin. Dès le moment où Dieu t'a parlé, si tu continues, le châtiment va venir rapidement. Dieu t'a averti. Alors, ce matin, prends ça au sérieux, et ma soeur, fille de Dieu, prends ça au sérieux. Sépare-toi de la méchanceté. Ne détruis pas la vie des orphelins, des veuves. Il y a les orphelins du frère de ton mari chez toi à la maison, femme, et tu les fais souffrir. Arrête ça. Le Seigneur te dit, si tu continues à faire souffrir ces orphelins, tes enfants seront orphelins. Arrête de faire souffrir ces orphelins-là. Dieu parle à une femme ici maintenant. Arrête de faire souffrir ces orphelins. Et la veuve du frère, ton mari. La fossida yau pokore. Commence à s'occuper d'eux et tes enfants seront bénis. Si tu gettes bien ce matin. Change de comportement maintenant. Tu aimes la kendre, Massa. Change de comportement. Tu aimes la kendre. Prends la décision, plaide le sang de Jésus. 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 Dis au sang de Jésus de te laver de tous ses péchés. De toutes ses iniquités. Et décide d'aimer la justice. Et de haïr le péché. Et l'onction reviendra sur toi. Arrête toutes ces mesquineries inutiles dans l'église. Dieu te voit. Si le pasteur ne te voit pas, Dieu te voit. Et il va régler ton cas. Arrête d'être méchant. De tourner dans les maisons, critiquer les gens. Le châtiment va t'atteindre bientôt. C'est le temps de la repentance. Aujourd'hui, c'est le temps de la repentance. Crie à Dieu. Seigneur, sauve-moi. Délivre-moi du péché. Crie à Dieu ce matin. Élève ta voix et crie. Le péché est couché à ta porte. Ne te laisse pas détruire par le péché. Caïn a refusé. Caïn a été détruit. Ce matin, ne sois pas de l'ordre de Caïn. Confesse ton péché. Confesse tes hypocrisies. Les gens voient en toi une jeune fille pure alors que ce n'est pas vrai. Les gens voient une femme sérieuse alors que ce n'est pas vrai. Arrête l'hypocrisie ce matin. Que le Seigneur vienne t'aider et nous aider. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Toi, jeune fille, tu es au dehors. Sous les hangars. Change ta vie ce matin. Arrête la haine, l'amertume, la rancune dans ton cœur. Commence à changer d'attitude envers tes pères. Change d'attitude envers tes parents. Commence à les respecter et bénis-les. Ce matin, répands-toi. C'est le temps de la repentance. C'est le temps d'avouer les péchés. Sinon, le nom de Jésus-Christ ne sera pas valable. Répentons-nous. Répands-toi ce matin. Merci Seigneur. Nous répentons au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus.